Toute l'actu du foot en un clic, c'est sur Foot News. foot-news.com. Bonjour, c'est Mamadou Niang, l'Olympique de Marseille. Bienvenue sur le pronostiqueur. Salut à tous, chers internautes. Très heureux de vous retrouver pour les pronostiqueurs. Salut Pierrot, comment ça va? Salut Tommy. À Bordeaux, tout va mal. Éliminé de la Ligue des Champions, défaite en finale de la Coupe de la Ligue face à Marseille, 14 points en 14 journées. Autant dire que pour le titre, c'est terminé. Tandis qu'à Marseille, tout va bien. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire cette semaine, le choc pour la course au titre Auxerre-Marseille. Ensuite, ce sera la grille de cette 35e journée. Et on finira par le bonus. Tout de suite, le match sticker. Le match sticker de cette semaine, Pierrot, c'est Auxerre-Marseille. Et personne n'allait dire en début de saison que ça allait être le choc de cette 35e journée. Non, on pensait que ça allait être Bordeaux à la place d'Auxerre. Ce n'est pas le cas. Donc, à cette occasion, j'ai sorti mon iPad. Et voilà, il pèse 12 kilos. Et j'ai mis toutes les stats à l'intérieur. Auxerre-Marseille. Auxerre s'est imposé 9 fois, 8 matchs nuls et 6 victoires marseillaises. Alors attention, sur les 4 dernières saisons, Marseille s'est imposé 4 fois. La stat à retenir, c'est si la GIA marque le premier but, sur 11 matchs, c'est 10 victoires et un match nul. Alors attention Marseille, si Auxerre s'impose, ce que j'espère, 2 points d'avance seulement pour les Marseillais, il restera 3 journées et là ça va faire mal. C'est vrai, en tout cas, ça promet un beau match. Pierrot, tu es connu pour tes interviews foireuses, mais aussi ton manque de professionnalisme. Alors cette semaine, qu'est-ce que tu as ? Alors, cette semaine, j'ai réussi à interviewer l'ancien entraîneur de la JO Serre, l'emblématique Giroud. Si, si, écoutez. Alors bonjour Giroud, j'aimerais savoir si Auxerre, il joue le maintien encore ou là, il joue le titre ? Non, le maintien, on le joue jusqu'à ce qu'on ait 42 points. Après, on fait du rab et après, on joue, si ça va bien, on joue la Coupe d'Europe et de temps en temps, la Ligue des Champions, voilà. Est-ce qu'on peut dire que Auxerre, sans Giroud, il y a très peu de chances qu'ils deviennent champion de France? Non, mais ça n'a rien à voir. Je suis très content, 5 ans après mon arrêt, qu'Auxerre ait retrouvé le même rang qu'il avait en général avec moi. Enfin, c'était pas deuxième, mais c'était souvent dans les 5 premiers et une fois premier. Bon, l'émission s'appelle Les Pronostiqueurs. Est-ce que vous auriez un petit pronostic pour vendredi? À partout. Merci beaucoup, Giroud. Au revoir. Et ben là, Pierrot, chapeau bas. Merci. Mais par contre, quand il s'agit d'avoir des joueurs marseillais, il n'y a plus personne, hein? Ah oui? Regarde. Un pronostic pour les 3 premiers du championnat. C'est une question piège. Ouais. Je suis pas un fan de pronostics, donc je donnerai pas de pronostics. Ah, je sais pas. En tout cas, moi, j'espère que Marseille déjà terminera premier. Je l'espère. Et après, les deux autres, écoute. Alors, j'espère Marseille en premier. Après le reste, je m'en fous. Marseille. Ou bien. Bon, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Non, je crois bien. Tout de suite, les pronostics de cette 35e journée. La grille de cette 35e journée, concernant le match sticker, je vois bien sûr la victoire marseillaise à Auxerre. Je vois un match nul, ce qui n'empêchera pas Marseille de devenir champion de France. Avec Pierrot, on a réussi à se mettre d'accord sur les 6 dernières rencontres de cette grille, avec notamment la victoire lilloise à domicile et celle de Lyon à Montpellier. Vous avez toutes les infos pour cette 35e journée et maintenant c'est... À le bonus! Bon, cette semaine, qu'est-ce que c'est? Le bonus, ça concerne les Girondins de Bordeaux et leur fin de saison catastrophique. On a été voir Johan Gourcuff et on lui a posé la question en conférence de presse. D'où vient le problème? Johan, personnellement, j'ai vanné toute la saison Dominique sur Marseille. Et là, maintenant, on joue comme des merdes. Alors, je vais être très direct. Est-ce que vous avez couché avec Zaya, la prostituée de l'équipe de France? Bah, comme tous les autres joueurs. Et vous vous dites pas 2000 euros la passe, c'est pas un peu excessif? Non. 2000 euros la poufia, c'est pas trop cher? Non, pas du tout.
Et il vous a pas pompé toute l'énergie sur le terrain. Mais je pense que tu peux demander à tous les joueurs, avec l'ambiance qu'il y avait, l'intensité qu'il y avait, je pense que tous les joueurs étaient très fatigués. Ouais, bon, donc on sera en Champions League l'année prochaine. Voilà, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine. Et on finit par un petit clin d'œil. Le vrai Pierrot. Bonjour, je suis Pierre Ménès et on est sur les pronostiqueurs. Toute l'actu du foot en un clic, c'est sur Foot News. foot-news.com